Alors, on va commencer. Je me présente, Karine Vieux-Fort. Je suis la coordonnatrice du consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur, le CAPRES. Alors, je vous souhaite la bienvenue en collaboration avec le CAPRES et Pédagogie universitaire du réseau Université du Québec. Bienvenue à ce quatrième webinaire diffusé de l'activité J'enseigne à distance, partage d'expérience et d'expertise pour un perfectionnement collectif. Donc, ce webinaire vise à approfondir l'un des micro-programmes de la formation J'enseigne à distance, offerte par l'Université TELUC, et de fournir des trucs, conseils et réponses aux questionnements soulevés à la suite de votre expérience en formation à distance dans le contexte de l'enseignement supérieur, collégial et universitaire. Plus concrètement, ce webinaire propose de brefs retours sur le micro-programme diffusé qui seront suivis de séances de questions-réponses provenant des participants. Donc, comme nous sommes en mode webinaire, il est normal que votre micro et caméra soient désactivés. Nous vous invitons donc à utiliser l'outil QR pour poser vos questions et le clavardage, mais essentiellement l'outil QR pour poser vos questions aux conférenciers. Sachez que le webinaire sera enregistré et l'enregistrement sera rendu disponible, tout comme le document de présentation, sur le site de Pédagogie universitaire. En temps venu, vous recevrez un courriel pour vous en aviser. Alors, je prends quelques minutes pour vous présenter nos conférenciers d'aujourd'hui. D'abord, Patrick Plante est professeur en formation à distance et en technologie éducative à l'Université TELUC. Il détient un baccalauréat en histoire, un diplôme en enseignement, une maîtrise et un doctorat en technologie éducative de l'Université Laval. En 2015-2016, il a entrepris des études postdoctorales portant sur la recherche, le développement et la communication de jeux sérieux destinés aux aînés. Ses projets de recherche actuels touchent à l'analytique de données de formation, aux jeux sérieux et à l'aide aux étudiants en difficulté. Patrick Plante est co-directeur de l'Observatoire du numérique en éducation, chercheur affilié à la chaire de recherche du Canada en décision partagée et application des connaissances, au groupe de recherche interuniversitaire sur l'intégration pédagogique des technologies de l'information et de la communication, et à la communauté pour l'innovation et la recherche sur les technologies dans l'enseignement apprentissage. Bonjour Patrick. Bonjour Karine, merci. Ensuite, Gustavo Adolfo Angulo Mendoza est professeur en technologie éducative et formation à distance à l'Université TELUC. Il est titulaire d'un baccalauréat en génie informatique et diplômé d'une maîtrise en technologie éducative du Tecnológico, désolé pour l'espagnol, de Monterrey au Mexique. Il est également titulaire d'un doctorat en technologie éducative de l'Université Laval. Il a été assistant de recherche pour le Centre de recherche publique SAVI, où il a réalisé le design pédagogique de plusieurs projets de formation en ligne, a participé à la conception de jeux éducatifs et a effectué des tâches liées à la collecte et l'analyse de données de recherche. Il s'intéresse à l'ingénierie et la conception pédagogique, à l'analyse des données massives et des données fines issues des dispositifs de formation en ligne, ainsi qu'à l'usage du numérique dans l'enseignement et la formation. Bonjour Gustavo. Bonjour, Karine, merci. Ensuite, Mathieu Thibault est professeur en didactique des mathématiques au primaire à l'Université du Québec en Outaouais, au campus de Saint-Jérôme. Il complète aussi un doctorat en éducation à l'Université du Québec à Montréal, alors que sa thèse doctorale est sous évaluation. Il se définit comme un chercheur formateur passionné qui est en quête d'apprentissage. Ses champs d'intérêt en recherche, notamment sa thèse doctorale, concernent principalement la formation à l'enseignement des probabilités avec des outils technologiques. Il s'intéresse aussi plus récemment à la programmation pour apprendre en mathématiques, puis à la formation à distance, dont l'enseignement à l'aide de capsules vidéo. La plupart de ses publications scientifiques et professionnelles sont accessibles sur son profil ResearchGate et son site Web. Alors, bonjour Mathieu. Bonjour, merci. Et enfin, Brigitte Morin est conseillère en pédagogie et technopédagogie à l'Université du Québec à Rimouski. Elle est aussi, depuis 2011, chargée de cours et superviseure de stage au sein de cette même institution. Au baccalauréat en enseignement professionnel, programme offert entièrement à distance en mode asynchrone. Elle a enseigné durant une dizaine d'années au Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs et a aussi occupé le poste de direction adjointe d'école primaire, toujours pour ce même centre. Brigitte Morin possède un baccalauréat en éducation, un diplôme d'études supérieures spécialisées en administration scolaire ainsi qu'une maîtrise en éducation. Le sujet de recherche était en lien avec le rôle du superviseur de stage universitaire. Alors, bonjour Brigitte. Bonjour Karine, merci. Oui. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire et je laisse de suite la parole aux conférenciers. Merci. Merci beaucoup, Karine. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter la présentation. Voilà.
Donc, comme Karine le disait, le but de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment de présenter ce partage d'expérience de conception du module diffusé qui était inclus, qui est un des quatre micro-programmes de la formation J'enseigne à distance. Donc, le plan est assez simple de la présentation aujourd'hui. Une petite présentation de mise en contexte de 5 minutes. Un partage d'expérience. Donc, une quarantaine de minutes, 10 minutes par intervenant. Ça se peut que ça soit un petit peu plus court pour laisser de la place aux questions. Mais après chaque intervenant, il va y avoir un petit 5 minutes de questions pour des questions à chaud sur le contenu qui vient d'être diffusé. Et à la fin, une période de questions, donc au moins 30 minutes, où vous allez pouvoir vraiment poser vos questions sur l'entièreté des contenus et même sur ce qu'on n'aurait pas parlé dans la présentation. Donc, une remise en contexte encore, on est ici parce qu'il y a une formation qui a été faite qui s'appelle J'enseigne à distance, qui est une commande du ministère de l'Éducation dans l'urgence. Ça a été conçu, ce site-là, comme un kit de survie pour les enseignants et ceux qui s'occupent d'enseignement là, dans tous les milieux, que ce soit du préscolaire à l'universitaire. Donc, on vise environ 130 000 personnes. Et chaque grande catégorie d'intervenants est situé dans le site, c'est-à-dire qu'il y a une formation spécifique pour les enseignants préscolaires, primaires, pour le secondaire, le collégial, universitaire. Donc, on s'entend que pour ce qui est de la formation à distance, au préscolaire, primaire, il n'y avait pratiquement pas de données scientifiques. Donc, c'est beaucoup des données terrain, d'expérimentation qui sont présentées là, des bonnes pratiques qu'on peut voir là, émerger, mais il n'y avait pas beaucoup d'informations. Tandis que pour ce qui est du collégial et de l'universitaire, la formation en ligne, c'est quand même pas nouveau. Ce qui était nouveau dans le contexte, c'est que des gens, en raison de la pandémie, ont dû faire de la formation en ligne assez rapidement de manière catastrophique. Donc, c'est à cette question-là que le site répond. Et il y a 4 micro-programmes dans la série du CAPRES. Ils ont tous été présentés jusqu'à maintenant, sauf le nôtre qui se concentre sur la diffusion. Donc, diffuser du contenu en ligne, il ne s'agit pas simplement d'ajouter une technologie. Hein, pour passer du face-à-face à l'interface, oui, ça prend de la technologie, mais ça prend aussi beaucoup plus. Ça prend des attitudes de la part du prof, mais aussi des connaissances, des bonnes pratiques. Donc, c'est ça un peu qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc, chaque personne, chaque intervenant va vous parler un peu d'éléments importants qui sont tirés de leur contribution dans la conception du module. Ce micro-programme-là, diffusé, est divisé en 4 modules. Il y a le premier module qui est consacré à l'enseignement synchrone parce que c'est ce qu'on avait besoin le plus rapidement possible en contexte de pandémie. Le deuxième module, c'est plus aux environnements numériques d'apprentissage. Là, j'y vais rapidement, là, mais on va pouvoir en reparler un petit peu plus tard. Le module 3, c'est surtout tout ce qui touche aux activités qu'on peut faire en ligne, à distance, notamment en utilisant des ressources éducatives libres qui peuvent permettre d'aller plus vite. Et enfin, le module 4, c'est bien, la technologie, c'est important, mais comment trouver la bonne selon le contexte, selon nos étudiants, selon notre aisance technologique. Donc, le quatrième module, le dernier module, est surtout consacré à cet aspect-là. Et bon, les 4 contributeurs, vous les avez devant vous. Donc, on va vous faire une belle présentation du mieux qu'on peut et on va répondre à vos questions. Donc, on va commencer par première partie. Justement, c'est ça. Commencer avec moi vu que j'ai commencé à parler. Comme je le disais tantôt, il ne s'agit pas de seulement ajouter une technologie pour que ça devienne de la formation à distance. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ceux qui en ont fait dans l'urgence s'en sont rendus compte assez rapidement. Alors, il y a quand même, je dirais, beaucoup d'études, il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de bonnes pratiques qui existent, mais quand on est dans l'urgence, on n'y a pas accès rapidement. Donc, la formation, finalement, a été construite justement pour des gens qui produisent des cours en ligne assez rapidement. Et justement, on voulait s'éloigner de cette équation-là qui est fautive, en fin de compte. Mais une des premières choses, comme je le disais tantôt, c'est vraiment les modalités de cours. Quand on est en formation à distance, ça va comme de soi. Mais quand on est habitué à faire de la formation en présence, là, en présentiel, la formation normale finalement, bien, la modalité à distance, bien, on est souvent porté à croire que c'est qu'il y a seulement la synchrone qui existe. Un peu à l'image de ce qu'on fait présentement.
on se parlerait en classe, bien là, on ne peut pas, donc on va tout simplement se parler via une interface. Mais le numérique apporte aussi une grande diversité de possibilités. Comme par exemple, dans l'écran qu'on voit là, bien, ça peut être synchrone comme on fait présentement, ça peut être asynchrone, c'est-à-dire que le contenu est placé sur un environnement numérique d'apprentissage et puis on peut le consulter un peu plus avec d'autonomie durant la semaine. Ça peut être mixte, donc un et l'autre, un ou l'autre. Ça peut être hybride, donc une semaine on est en classe, l'autre semaine on est à distance. Ça peut être commodal. Le prof enseigne à distance, puis les étudiants ont le choix de le suivre à distance ou en présence. Donc, il y a plusieurs modalités qui sont disponibles. Justement, on va vous poser une petite question. Un cas fictif, hein? J'ai un cours de biologie au collégial. Donc, en temps normal, je le faisais en présence dans mon laboratoire et tout ça. Mais là, avec la pandémie, bien, je dois me restreindre à la distance. Donc, selon vous, ça serait quoi la bonne modalité dans ce cas-là? Donc, il y a Karine, si tu peux lancer, ouais. Il y a plusieurs possibilités, comme je viens de vous le montrer, synchrone, asynchrone, commodal, hybride et mixte. Donc, on va vous laisser quelques secondes pour répondre. Il n'y a pas de prix à gagner, il n'y a pas de punition si vous n'avez pas la bonne réponse. D'ailleurs, il y a beaucoup de chaque réponse peut se défendre, mais comme vous ne pouvez pas vous défendre, pas trop grave, là. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous montrer finalement qu'il y a quand même plusieurs modalités qui sont possibles et que dans ces modalités-là, ben, tout dépendant de ce que vous avez à faire, ben, une modalité peut vous accommoder. Donc, avec le résultat, si je me fie à ce qui est montré là, 31% hybride. Il y en a d'autres qui sont proches, mais c'est hybride qui est montré. Donc, franchement, c'est beaucoup plus clair que les élections américaines. Oui, hybride, ça serait un bon terme. Du moins, c'est la modalité que j'avais choisie. Hein? Une semaine, on a de la formation à distance et il y a un petit groupe qui va en laboratoire. L'autre semaine, on a encore une formation à distance avec un autre groupe qui va en laboratoire. Un autre exemple. Un cours en sciences politiques à l'université, donc avec un grand groupe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas-là, bon, on pourrait y aller d'une manière synchrone, mais avec la création de sous-groupes de discussion à l'intérieur du grand groupe. Donc, la technologie permet ça aussi. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plein de façons, de modalités qui permettent de présenter un contenu de manière intéressante. Donc, en bref, oui, il existe une multitude de modalités, je vous l'ai montré, mais trouver la meilleure modalité implique quand même que certaines questions et que l'enseignant doit se poser. Donc, son public cible, est-ce qu'il y a une aisance technologique? On ne parle pas d'utiliser TikTok ou Facebook, ces applications-là sont faites pour être utilisées. On parle de l'utilisation de technologies en contexte d'apprentissage qui est un peu différent. Les sites de formation, les ressources humaines, les ressources technologiques. Donc, est-ce que vous êtes seul? Avez-vous une équipe? Avez-vous des outils institutionnels? Mais ce qui est important là-dedans, c'est vraiment la cohérence. Et justement, pour aider à cette cohérence-là, bien, on a outillé les enseignants avec quelques modèles, dont le modèle TPAC, qui permet finalement d'une manière assez simple à l'enseignant de s'interroger sur la cohérence entre son contenu disciplinaire, sa pédagogie et la technologie qu'il utilise. Et dans la formation, ben, on a donné aussi des outils qui permettent au quotidien, par exemple dans la conception d'un cours hebdomadaire, de s'interroger sur la technologie qu'on utilise, nous en tant qu'enseignants, celle qu'on demande aux étudiants d'utiliser, puis de faire une évaluation, là, un bilan de l'utilisation de cette technologie-là, si ça a bien fonctionné ou pas, pour pouvoir s'améliorer ou changer d'outil. Donc, j'ai une autre question pour vous, la question 2. De combien de minutes et l'attention d'un étudiant dans un cours? Donc ça, c'est une question qui est importante de manière générale, mais encore plus à distance. Donc, vous avez le choix entre 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes ou 60 minutes. C'est une moyenne, hein? Ça peut varier. C'est certain que, comme je le disais, c'est une question qui est autant importante en présence. Par contre, à distance, c'est que les étudiants sont... donc, on a 15 minutes.
me souviens pas ce que j'avais mis. Bon, 30 minutes, mais 15 minutes, c'est pas faux parce qu'à partir de 15 minutes, on est en chute libre. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est vraiment court. À partir de 15 minutes, on rapproche, puis à 30 minutes, on est proche de la flat line. Donc, comme vous pouvez comprendre, ici, on veut pas aplatir la courbe, on veut l'augmenter. Et à distance, c'est encore plus difficile parce que les étudiants, vous êtes en compétition avec Facebook, avec Netflix, avec toutes sortes de choses. Puis vos étudiants peuvent être tout en face de vous avec l'écran ouvert, mais ils ne sont pas nécessairement là. Un bon truc, si vous parlez de quelque chose puis vous voyez un étudiant en train de rire puis que ce n'était pas vraiment drôle, ça se peut qu'il n'écoute pas la même chose que vous, là. Donc, l'attention est vraiment difficile à avoir à distance. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est le format qui veut ça. Donc, d'où l'importance d'avoir vraiment des activités qui permettent de rajouter de l'interactivité, un peu de réveiller puis d'impliquer les étudiants. C'est vrai en classe, mais c'est impératif à distance. Donc, justement, les questions qu'on vous pose, là, les petites questions qu'on vous pose là, pendant la conférence, bien, c'est aussi pour ça. Voilà, j'ai fait vite, mais je vous ai montré quelques points qui étaient issus là, de ma contribution au module sur la diffusion. Donc, s'il y a des questions, on peut y répondre, des questions à chaud sur ce contenu-là. On peut y répondre pendant un petit 5 minutes, puis après ça, on va passer à l'autre intervenant. Donc, je suis à vous si vous avez des questions. Merci, Patrick. On va attendre peut-être un petit moment juste voir s'il y a des questions qui entrent. Autrement, on pourra poursuivre puis attendre, garder un plus grand nombre de questions. Si ça ne marche pas, oui, c'est ça. On aura plus de temps à la fin. C'est tout. Tout à fait, tout à fait. On peut peut-être faire ça. Quelqu'un a indiqué très clair, intéressant, merci. Donc, Patrick, voilà, c'était clair. Aucune question. C'est bon. Voilà. On a une question dans le clavardage. Comment intégrer les questions et réponses sondage? Oups, je ne vois plus les conversés. Ah, oh, OK, c'est une question plus technique, donc c'est beau, je ne vous l'adresse pas, je pourrais y répondre. Ça doit être pour les questions dans Zoom, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est ça. Exactement. Vous pouvez voir que ça fonctionne bien. Oui, exact. Donc, Gustavo, je te laisse la parole. Merci, Karine. Est-ce que je suis entendue? Oui. Oui. Oui, parfait, merci. Donc, je vais juste démarrer ma minuterie pour ne pas dépasser le temps. Merci. Dans cette deuxième partie, nous allons regarder ensemble un certain nombre d'éléments à considérer au moment de choisir des outils ou des applications, des services web ou encore des logiciels pour la formation à distance. Je voudrais, pour commencer, connaître les types d'outils que vous utilisez en formation à distance. Je vous invite donc à répondre à cette question. Quel type d'outils, quel genre d'outils utilisez-vous dans vos cours? Vous pouvez marquer plusieurs réponses. Est-ce que ce sont des outils pour la classe virtuelle synchrone, donc Zoom, Teams et compagnie, des plateformes pour la diffusion asynchrone des contenus, Moodle, Blackboard, etc., des outils pour la production de contenu multimédia, dans ce qu'on appelle les logiciels Avatar, ou des outils pour la création et l'édition d'audio et ou vidéo. Donc, on laisse quelques instants pour voir les types d'outils que vous utilisez. Ils peuvent répondre plus qu'un choix, n'est-ce pas? Oui. Donc, est-ce qu'on a déjà quelques réponses? Oui, c'est plutôt les outils pour la communication synchrone, donc Zoom, Teams, Meet, etc. Donc, dans le microprogramme diffusion de la formation J'enseigne à distance, nous avons proposé quelques éléments à considérer au moment de choisir des outils pour la formation à distance, que ce soit en mode synchrone ou en mode asynchrone.
des éléments auxquels nous avons aussi réfléchi au moment de sélectionner l'environnement de discussion qui finalement a été retenu pour le dispositif de formation qui a été développé. On part du principe qui établit que la formation à distance ne repose pas sur l'usage d'une multitude de gadgets informatiques, mais que la formation à distance nous incite à réfléchir à la relation pédagogique que l'on veut entretenir avec nos apprenants. Il est alors important d'explorer quelques pistes pour choisir les outils qui vont nous aider à mettre en place les conditions de succès de cette relation et qui iront dans le sens de nos intentions de formation. Et je ne sais pas si vous avez eu la même sensation que j'ai eue, surtout pendant les premiers mois de la pandémie, quand j'ai regardé les réseaux sociaux. Bon, le seul réseau social que j'ai, c'est LinkedIn, mais je suis persuadé que c'était pareil dans pas mal toutes les plateformes. Je m'apercevais de la surinformation sur l'infinité d'outils informatiques susceptibles d'être utilisés en formation à distance. J'avais comme l'impression que les enseignants et les formateurs étaient bombardés d'informations sur des outils. Et bien évidemment, les gens cherchaient des options, surtout les gens qui n'avaient pas d'expérience en formation à distance, mais je ne suis pas convaincu que cette surcharge informationnelle était trop aidante. Ça allait un peu dans tous les sens. Aujourd'hui, on appelle ça infobésité. C'est un concept qui désigne l'excès d'informations qu'une personne ne peut traiter ou supporter sans se nuire ou sans nuire son activité. Et ça peut entraîner des effets néfastes qui vont du déficit d'attention et de créativité, la perte de mémoire, l'altération du jugement, l'indécision, hein, à l'épuisement professionnel, la cyberdépendance ou le désengagement. On peut être tenté de recourir à de nombreux outils technologiques sans pour autant vérifier la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter à notre formation. Lorsqu'on fait un choix technologique, il ne s'agit pas de se concentrer sur l'outil lui-même, mais plutôt sur les cibles d'apprentissage. Il est aussi très important d'intégrer les technologies de manière mesurée, en limitant leur nombre et en précisant le rôle dans la formation. Ainsi, on va se concentrer sur l'essentiel qui est l'apprentissage. Il faut donc éviter de s'éparpiller et de disperser l'attention à travers un trop grand nombre d'outils. Donc, il faut prendre le temps d'estimer les retombées de l'outil choisi sur les apprentissages, sur les possibles altérations que l'intégration de cet outil peut provoquer dans la dynamique de la formation, sur les temps d'adoption par les enseignants et par les apprenants, et en gros, les retombées sur la valeur ajoutée à la formation. Si l'on fait nos premières armes en formation à distance, ce qui est primordial est de bien choisir l'outil de communication synchrone et, le cas échéant, la plateforme asynchrone qui sert à présenter les contenus de formation ainsi que les activités d'apprentissage et les évaluations. On devrait considérer les aspects suivants, donc les niveaux d'essence technologique, le soutien institutionnel, des conditions d'implémentation favorables, l'attitude des parties prenantes face au nouveau, l'utilité et l'acceptation de l'outil, l'expérience des gens avec des outils semblables, la performance attendue, les temps disponibles pour s'approprier l'outil, l'estimation des efforts à faire et l'impact espéré sur l'image, c'est-à-dire quand l'outil est aussi vu comme un moyen de se différencier des autres.
Donc, au moment de choisir l'outil de diffusion, il y a certains critères à considérer. Donc, sur le plan pédagogique, il faut s'interroger si l'outil s'aligne sur les objectifs d'apprentissage, s'il contribue à atteindre les compétences ciblées, et s'il permet d'approfondir les connaissances ou s'il favorise une évaluation pertinente des acquis. Est-ce que l'outil renforce la motivation des apprenants ou permet de diversifier la présentation des contenus et l'évaluation? Est-ce qu'il améliore l'accessibilité du contenu? Est-ce qu'il offre un bon rendement par rapport au temps et aux efforts investis? Est-ce que l'outil est utilisé par des collègues dans mon établissement ou dans d'autres établissements? Est-ce qu'on va pouvoir bénéficier de leur expérience pour soutenir notre démarche? Donc, sur les plans organisationnels ou institutionnels, il faudrait vérifier si l'outil est déjà fourni par l'institution ou s'il faut en faire l'acquisition. Et les coûts, est-ce qu'il est trop dispendieux? Et il est offert sur quel type de licence? Est-ce qu'on va pouvoir offrir du soutien technopédagogique aux enseignants? Quelles sont les politiques de notre établissement concernant l'acquisition et l'exploitation de ce type d'outils? Et sur les plans techniques, il faut vérifier si l'outil est compatible avec les systèmes d'exploitation utilisés par les utilisateurs, à la fois par l'enseignant et par les apprenants, s'il peut être utilisé sur une diversité de dispositifs, des tablettes, des ordinateurs ou des portables, etc. S'il peut être intégré au système de gestion des études de l'établissement, s'il peut être maîtrisé dans un temps raisonnable et si on peut avoir accès facilement à un soutien technique. Donc, je vous invite à répondre à cette question en considération aux critères qu'on vient de présenter. Selon vous, dans votre établissement, quelle dimension est privilégiée au moment de choisir un outil pour la formation à distance? Est-ce que c'est la dimension pédagogique? Est-ce que c'est la dimension organisationnelle ou institutionnelle? Ou plutôt la dimension technique? On va laisser quelques instants pour permettre aux gens d'y répondre. Est-ce qu'on a déjà quelques réponses? Donc, c'est vraiment la dimension pédagogique que les gens vont privilégier. Cependant, je m'excuse, cette question est un peu aussi une question piège parce qu'on ne peut pas vraiment dissocier ces dimensions-là. Nous avons proposé cette espèce d'algorithme de prise de décision sur le choix d'un outil. Au moment d'évaluer un outil, il faut se questionner si cet outil fonctionne de manière efficace. Et si c'est le cas, bien, on avance de l'adoption de l'outil à l'innovation pédagogique. Sinon, il faut identifier où se situe la difficulté. Est-ce que le problème est sur le plan pédagogique, sur le plan organisationnel ou sur le plan technique? On va donc contraster la situation face aux critères qu'on vient de présenter. Donc, sur le plan pédagogique, est-ce que l'outil s'aligne sur les objectifs d'apprentissage? C'est quoi l'impact sur le développement des compétences, sur l'acquisition des connaissances ou sur la motivation? Est-ce que l'outil peut être utilisé comme un outil d'évaluation, par exemple? À quoi ressemblent les rapports efforts investis versus bénéfices obtenus? Donc, sur le plan organisationnel, est-ce que mon institution conseille ou déconseille son usage? Est-ce que l'outil est fourni par mon institution ou s'il faut se le procurer, est-ce que ça coûte cher?
Est-ce qu'on pourra fournir un soutien technopédagogique aux besoins? Donc, sur les plans techniques, y a-t-il des problèmes de compatibilité ou d'intégration? Est-ce que ça prend trop de temps à maîtriser? Est-ce que nous disposons des modèles? Finalement, lorsqu'on a identifié où se situent les problèmes, on va se questionner si la difficulté est surmontable ou s'il existe une solution de rechange pour décider finalement si on abandonne l'outil ou si on essaie d'ajuster et de continuer avec cet outil. Donc, voilà pour cette partie-là. Donc, s'il y a quelques questions, on pourra prendre le temps de répondre. Merci beaucoup, Gustavo, pour cette présentation. J'ai une première question. Pourriez-vous expliciter qu'est-ce que vous entendez par l'impact sur l'image? Oui, en effet. Des fois, on va choisir un outil pour, dans le fond, ça fait partie un petit peu de l'identité de l'enseignant. Donc, pour se distinguer des autres, pour avoir cet élément de différenciation par rapport à mes collègues, à mes collègues. Donc, je vais utiliser cet outil qui est efficace pour l'enseignement, mais aussi, non, c'est probablement pas les critères, c'est pas un critère essentiel pour le choix d'un outil, mais ça peut être aussi un élément qui va entrer en jeu. Donc, si j'utilise cet outil, je vais me distinguer de façon positive par rapport au. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et on a identifié que c'est un élément non négligeable au moment de choisir un outil. Merci, Gustavo. Je pose maintenant une question. Comment peut-on attirer l'attention de l'étudiant? C'est une question très générale, probablement qui s'adresse peut-être à vous tous. Là, vous pourrez faire le choix d'y répondre à la fin du webinaire. Mais comment peut-on attirer l'attention de l'étudiant en formation à distance, sachant que son niveau d'attention décline après un certain nombre de minutes? Bon, j'ai pu avancer au moins quelques éléments de réponse, mais c'est, comme tu as dit, Karine, c'est une question très large qui comporte plusieurs éléments. On peut aussi continuer la discussion à la fin, mais probablement que le fait, mettons, si on parle d'enseignement synchrone, donc classe virtuelle comme maintenant, le fait de parler, l'enseignant, le présentateur qui parle pendant 2 heures, ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est vraiment ardu d'attirer ou de maintenir l'attention des gens pendant longtemps. Fait qu'il faut les inciter aussi à participer. Donc, quand il s'agit de classes virtuelles en mode synchrone, il faut penser à des stratégies qui vont permettre aux étudiants de aussi exprimer leur voix. Donc, de s'exprimer, que ce soit à travers des petits quiz comme on fait tout au long de cette présentation, ça permet aussi aux gens bon, d'exprimer leurs avis. Et ça peut fonctionner aussi. Mais en classe asynchrone, il y a plein d'éléments qu'on peut utiliser, mais je pense que l'enjeu de l'attention, c'est beaucoup plus un problème à niveau de l'enseignement en synchrone. Et ça, c'est un élément dont ce que je propose toujours comme solution, c'est de penser à des activités ou à des stratégies qui vont susciter des interactions entre les participants. Donc, c'est là où se situent les défis. Comme je l'ai dit, c'est une question très large. On peut continuer la discussion à la fin. Parfait. Merci, Gustavo. Alors, je vais conserver quelques questions en banque qui s'adressent vraiment à vous quatre. Vous pourrez répondre à la fin de manière complémentaire. Je suis certaine que ça sera beaucoup plus bénéfique. Je vais laisser la parole à Mathieu maintenant. Merci beaucoup. Oui, j'aurais peut-être des éléments de réponse aussi en lien avec la relance de l'attention aussi. Donc, je vais vous partager un peu mon expérience pour cette partie. Donc, la première
question que je vais vous parler en fait plus particulièrement des capsules vidéo. Donc, on est en mode asynchrone. Donc, pourquoi la capsule vidéo? Plusieurs réponses, moi, en fait, qui me viennent en tête quand j'y réfléchis. Donc, la première, assez bête, nous sommes en 2020. C'est notre façon naturelle d'apprendre, du moins, en tout cas, celle des étudiants. Beaucoup vont aller trouver des réponses à leurs questions tout simplement en allant voir des vidéos sur YouTube. On peut apprendre plein de choses, comment réparer un robinet, comment se résoudre un cube Rubik. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre, mais pourquoi pas aussi apprendre en lien avec des contenus universitaires. Donc, je pense que ça peut être une bonne raison. Pourquoi aussi les capsules vidéo? Bien, pour modéliser des exemples pédagogiques, comme je viens de dire, aux personnes étudiantes, pour permettre aussi un apprentissage qui est flexible, qui est asynchrone, puis qui va respecter le rythme des personnes étudiantes, pour exploiter le mobile learning, donc l'idée qu'on peut apprendre n'importe où, à notre rythme, mais aussi n'importe où, dans le train, en se déplaçant, dans notre chambre, dans le salon, peu importe où on veut. Certaines études qui montrent aussi que ça peut accroître la motivation. D'autres études aussi qui montrent que les capsules vidéo peuvent favoriser la réussite dans des domaines variés, mais j'amène un petit bémol parce qu'il y a aussi d'autres études qui contredisent un peu ça et qui disent qu'il n'y a pas nécessairement un gain au niveau de la réussite ou de la performance, pas nécessairement un décroissement non plus, mais qu'il n'y a pas nécessairement un gain. Donc, il y a des apports, mais il y a aussi des limites. Il ne faut pas non plus encenser les capsules vidéo. Mais bon, les circonstances particulières de la pandémie nous ont amenés à se tourner vers cette possibilité-là qui peut être intéressante. Puis, j'aime bien, tantôt, on a vu avec mon collègue Gustavo la surinformation d'outils numériques. Puis, il disait lui-même, ça peut être un peu étourdissant. J'aime bien cette image-là ici là, qui montre qu'on a plein d'outils à notre portée, mais ce n'est pas nécessairement la quantité d'outils qui importe, c'est l'usage qu'on en fait. Donc, si on prenait une seule de ces échelles-là et qu'on la plaçait bien, probablement qu'on arrive à atteindre notre but qui est de traverser le mur et d'apprendre. Alors que si on n'utilise pas bien ces outils-là, bien, on n'arrive pas à atteindre notre but, peu importe le nombre qu'on en a. Donc, je pense qu'il faut se garder ça en tête. Là, quelle est l'intention qui est derrière? Maintenant, je vous poserai une question, la question 5, en lien avec votre expérience par rapport aux capsules vidéo. Donc, vous avez peut-être, dans le fond, de votre côté, une expérience, aucune expérience, peut-être un peu d'expérience avec les capsules vidéo, mais comme utilisateur, c'est-à-dire utiliser des capsules vidéo qui sont déjà conçues, un peu d'expérience comme concepteur de capsules vidéo ou beaucoup d'expérience en lien avec les capsules vidéo. Ça va me permettre de voir un petit peu qui se trouve devant moi. Tantôt, il y avait une question qui était posée là, en lien avec les différentes façons d'organiser son cours, donc dont audio et vidéo. On va aller voir ici un petit peu plus finement, en fait, votre expérience par rapport à capsule vidéo. Roulement de tambour. Donc, une majorité d'un peu comme utilisateur, mais quand même un nombre non négligeable, là, de 39% qui ont un peu comme concepteur ou beaucoup. Donc, j'ai des gens quand même à l'affût devant moi puis qui ont déjà testé ces outils-là. Donc, c'est super. Et 15% qui n'ont aucune expérience ni comme utilisateur ni comme concepteur. Donc, c'est assez réparti. Donc, si on n'aura pas le temps aujourd'hui d'aller vraiment dans le « how to », dans le « comment concevoir une capsule vidéo », mais moi, dans le fond, la COVID-19, avec tous les aspects négatifs qu'il y a autour de ça, bien, ça m'a un peu… J'ai essayé de trouver quelque chose de positif avec tout ça, puis je me suis dit bien, COVID-19 pourrait vouloir dire « cours avec vidéo, 19 conseils ». Donc, j'ai voulu organiser, dans le fond… Selon cette idée-là, dans le fond, et j'ai voulu faire une... En fait, j'ai fait des formations aux enseignants de l'UQO, Université du Québec en Outaouais. C'était une formation d'une heure et demie où je pouvais donner, dans le fond, expliquer de long en large ces 19 conseils-là pour enseigner avec les capsules vidéo. Donc, vous vous doutez bien que je vais y aller un peu plus rondement aujourd'hui. Mais ces 19 conseils-là, en fait, se déclinaient en trois phases. Donc, il y a la phase de préparation, la phase de production et la phase de diffusion. Donc, dans la phase de préparation, juste pour les voir rapidement, je vais après prendre certains d'entre eux que je vais aller voir un peu plus en profondeur. Donc, lors de la préparation, je pense que c'est important d'envisager la place que vous l'accordez aux capsules vidéo dans votre cours. Est-ce que c'est faire plusieurs capsules vidéo, une seule, la majorité de vos contenus sous forme de capsule? Aussi, commencer par utiliser ce qui est déjà créé, donc pas nécessairement réinventer la roue. Cibler les caractéristiques aussi pour chaque capsule vidéo. Puis, on y reviendra tout à l'heure, préparer les documents, des documents d'accompagnement, mais aussi les documents, on les prépare en organisant le contenu de façon pertinente, cohérente et intéressante. Un autre conseil aussi, de choisir une façon simple d'enregistrer. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Je vais vous montrer ce que moi, j'utilise de mon côté.
important de prévoir aussi un environnement favorable à l'apprentissage. Donc, tout ça, c'est le gros morceau là, lors de la préparation. Il y a beaucoup de questions à se poser, beaucoup de temps à investir là. Lors de la production, je vous encourage, dans le fond, à faire un test d'enregistrement, de vous lancer, même si ce n'est pas parfait, dans le fond, d'accepter. Donc, c'est justement mon 15e conseil, d'accepter l'imperfection, d'être concis, parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec mon collègue Patrick, l'attention diminue drastiquement au fil des minutes. Et pour un petit peu combler à ça, on avait vu tantôt les sauts dans les paliers d'attention. Bien, l'idée, c'est d'ajouter de l'interactivité dans les capsules vidéo. Donc, je vais revenir à ça dans quelques minutes. De faire ressortir une synthèse aussi à la fin, d'avoir un ton de voix stimulant, de trouver un rythme adéquat, de rester simple, accepter l'imperfection. Je l'ai déjà dit, mais je pense que ça vaut la peine de le rappeler. ce qui peut être intéressant aussi de faire différent, ben oui, vous pouvez concevoir vos capsules vidéo, mais de faire concevoir une capsule vidéo aussi par les personnes étudiantes. Donc, je n'ai pas décidé d'en parler aujourd'hui, mais je pense que c'est une option assez intéressante que je fais faire, en tout cas avec mes étudiantes dans mes cours. Dans la diffusion, je vous suggère de choisir une façon simple d'héberger votre capsule vidéo, de partager le lien aux personnes étudiantes, puis de partager ensuite votre expérience à vos collègues là, pour... dans l'idée d'une communauté d'apprentissage. Donc là, je les ai lus très, très brièvement, très sommairement. Donc, comme je vous disais, c'est une formation d'une heure et demie. Et par la suite, j'en ai fait, c'est la TELUC qui m'a demandé pour le module diffusé, justement, d'en faire une capsule vidéo qui dure 7 minutes. Donc, à partir de l'adresse raccourcie ici, monurl.ca/conseil-vidéo, vous pourrez accéder cette présentation. J'explique, j'ajoute quelques détails en lien avec ces 19 conseils-là. Mais je vais aller maintenant me concentrer sur 3 des conseils, donc les documents d'accompagnement, une façon simple d'enregistrer, puis une façon d'ajouter de l'interactivité. Donc, je vais vous parler un petit peu de ma façon de procéder. Donc, moi, de mon côté, j'enregistre avec Loom. Donc, Loom, qui est un outil gratuit, en fait, quand on utilise la version, la licence en éducation. Donc, si vous êtes enseignant, vous avez un courriel institutionnel, vous allez pouvoir avoir une version gratuite qui n'est pas très limitée. Là, il y a beaucoup d'options que vous pourrez avoir avec cette version gratuite-là pour les enseignants. Moi, de mon côté, ce que je conçois, c'est 3-4 capsules vidéo d'environ 15-20 minutes par semaine. Il faut dire que chacune des capsules vidéo d'environ 15-20 minutes que je conçois, normalement, c'était un 40-45 minutes peut-être d'activité en classe que j'avais avec les étudiants, mais là, et ça peut leur prendre ce temps-là. Le 20 minutes de capsule vidéo peut leur prendre 45 minutes parce que, justement, j'y insère de l'interactivité. J'amène des questions, je leur donne des tâches et tout ça. Et moi, avec Loom, ça fait une vidéo capture d'une partie de mon écran. Donc, je viens choisir une partie de mon écran avec d'autres choses que je prépare autour, moi, qui m'aident à orchestrer tout ça. Puis, j'ajoute aussi mon visage. Avec Loom, on peut décider d'intégrer ou non le visage. Au niveau de la recherche, là, on montre que le fait d'ajouter le visage, ce n'est pas nécessairement un atout. Ça aide pas, en fait, nécessairement aux performances ou à l'attention et tout ça. Et même dans certains cas, il y a certaines études qui montrent que ça peut même déconcentrer, en fait, surtout s'il y a beaucoup de contenu à suivre visuel et que là, la personne étudiante vous regarde vous au lieu de regarder le contenu. Donc, ça peut avoir un effet pervers, donc il faut le savoir. Moi, par choix, je sais que mes étudiantes semblent préférer. C'est un choix que j'ai fait. Je pense que ça, c'est un peu libre à vous. Et après ça, une fois que j'ai fait mes enregistrements sur Loom, je les amène dans Edpuzzle. Donc, en fait, je les amène dans YouTube. Et après, de YouTube, je les intègre. On peut intégrer n'importe quelle vidéo dans Edpuzzle. Donc, Edpuzzle, c'est une plateforme qui permet, en fait, de placer des marqueurs à différents moments sur une vidéo, où on vient poser des questions ou des notes. Donc, moi, je mets des questions à peu près à toutes les 4-5 minutes. Donc, on voyait tout à l'heure les pics d'attention qui viennent relancer. Donc, moi, j'essaie de ne pas avoir plus de 5 minutes, grosso modo, où la personne est seulement en écoute passive, si on veut. Donc, je relance par une question, je relance par une tâche. Puis, j'ajoute en plus d'autres activités pour les mettre dans l'action, des lectures, des rapports de lecture, des ateliers, d'aller participer au forum, d'aller explorer un outil technologique. Donc, j'essaie d'ajouter justement pour ne pas avoir que mes capsules vidéo. À quoi ça ressemble du côté des étudiants? Bien, ils écoutent la capsule vidéo. À un certain moment, ça va s'arrêter. Donc, on voit ici une espèce de petit trou qui va tourner. Donc, l'image va se figer. Et là, il y a la question qui arrive, que moi, j'ai mis de mon côté pour programmer à ce moment-ci. Donc, qu'est-ce que vous retenez de cette capsule vidéo?
Donc, ça me permet tantôt, un de mes conseils, c'était de faire ressortir une synthèse. Donc, moi, je fais ça toujours à la fin de mes capsules vidéo. Qu'est-ce que vous retenez de cette capsule vidéo-là? Et ça me permet, moi, de mon côté aussi, sur la plateforme, je vois ce que les étudiants ont retenu. Ça me permet de faire un meilleur retour après quand j'ai des séances de classe virtuelle en synchrone avec mes étudiants. Je peux aussi intégrer des notes audio, ce que j'utilise le plus souvent, des questions à choix multiples et à développement. Je dis note audio, ça peut être utile des fois parce que je disais tantôt d'accepter l'imperfection. Des fois, on peut avoir fait une petite erreur dans la 8e minute puis on ne veut pas recommencer. Bon, on aura tout simplement à venir ajouter un marqueur à cet endroit-là, à venir préciser « Ah, j'ai dit tel mot, mais en fait, c'était plutôt tel autre mot. » Donc, je pense que ça peut être intéressant dans ce sens-là. Du côté de l'enseignant, ce qu'on voit, c'est le gradebook. Donc, on voit par exemple ici, normalement, on voit aussi les noms. Donc, vous comprendrez qu'ici, je n'ai pas mis les noms, mais on voit des scores. Soit si c'est des questions à choix de réponse, ça va se corriger automatiquement. Sinon, je dois aller évaluer. Donc, quand il y a des petits points comme ça, moi, je dois aller évaluer ces questions en développement-là. Et là, je vais aller mettre, par exemple, oui, super, ou ah, un petit commentaire, fais attention à ça, mettre 90, mettre 50. Donc, je viens ajouter les notes et là, ça vient me mettre comme ça. C'est formatif. Je ne m'en sers pas du tout de façon sommative, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Puis automatiquement, ils mettent un code de couleur pour, selon des barrières, là, pourcentage là, en bas de 50 ou en bas de 80 ou en haut de 80, par exemple. Et on voit ici qu'il y a une petite horloge. On peut mettre une date de remise. Donc, il faut que les réponses soient faites pour tel moment. Et si c'est en retard, ça va être indiqué ici. Donc, si jamais Edpuzzle vous intéresse, là, je vous suggère de m'écrire, de m'envoyer un bref courriel juste pour dire « Edpuzzle m'intéresse ». Je pourrais vous envoyer à ce moment-là un tutoriel. Vous pourrez voir, il y a beaucoup plus à dire que ce que j'ai le temps de dire présentement. Puis, je pourrais aussi vous faire une invitation formelle à vous créer un compte. Puis, le fait de vous référer comme ça, ça vous permettra d'avoir un peu plus d'espace aussi pour intégrer vos vidéos dans Edpuzzle. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fera plaisir de vous référer. On peut enchaîner avec des questions. Merci beaucoup, Mathieu, pour la présentation. Je vais commencer avec une première question. Comment Loom est-il meilleur que Screencast ou Matic? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est meilleur. Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé Screencast Automatic, donc je ne peux pas trop juger. Je sais que beaucoup l'utilisent. Donc, ce serait un peu le même idée que tantôt, on voyait la pile d'échelle. Peut-être qu'il n'y a pas juste une échelle qui vous permet de traverser le mur. Donc, moi, j'aime bien Loom, que je connais bien, répond à tous mes besoins. Peut-être que Screencast Automatic répond bien aussi à tous vos besoins et c'est parfait comme ça. Je sais que moi, avant, j'utilisais d'autres outils qui me convenait moins, où je n'avais pas justement la possibilité d'ajouter mon visage ou pas, ou de prendre seulement une partie de mon écran, où des fois c'était limité sur la longueur. Bon, donc, je peux rien dire contre Screencast Automatic, mais Loom répond à tous mes besoins, moi, dans mon cas. Parfait, merci pour la réponse. Ensuite, pouvez-vous expliciter la conception de capsules vidéo par les étudiants? Tout à l'heure, vous en avez parlé un peu. Oui. En fait, moi, je le fais sous forme de un travail en deux temps. En fait, c'est deux travaux d'équipe. Vous savez, j'imagine comme moi, là, souvent, on manque de temps pour voir tous les sujets qu'on voudrait couvrir dans le cours. Donc, moi, je cible dès le départ, par exemple, 10 sujets que je veux qu'ils soient travaillés par les étudiants, qu'on ne pourra pas aller en profondeur dans le cours que moi, je vais animer, mais que je vais léguer, dans le fond, aux étudiants. Puis, dès le début, dès la première ou la deuxième semaine de cours, je fais un petit tirage aléatoire. Ils se regroupent en équipes selon le nombre d'étudiants. Là, ça peut être des équipes de 2 s'il y en a environ 20, des équipes de 3 ou 4 selon le nombre. Et là, ils vont devoir me faire une capsule vidéo dans mon cas, je leur dis de 5 à 7 minutes où ils doivent. Moi, il faut dire en fait que j'interviens, c'est des futures enseignantes. Donc, c'est un petit peu de préparer en fait aussi cette idée-là de se préparer à enseigner ces concepts-là. Donc, par exemple, dans mes cours en didactique des mathématiques, d'avoir une capsule vidéo où on va expliquer le diagramme à bande. Donc, en 5 à 7 minutes, ils vont devoir faire une recherche sur ce concept-là pour comprendre, en fait, tout ce qui implique ce concept-là. Ils vont préparer un bon exemple, vont faire un enregistrement. Donc, ça, c'est un premier travail. Et là, après ça, j'aurai 10 capsules vidéo qui vont être conçues. Et après, il y a un travail réflexif où chacune des équipes va écouter les 9 autres capsules vidéo et va devoir faire dans un travail d'une demi-page à une page, va porter un regard critique en donnant un point positif, un point amélioré, puis
Je ne me rappelle plus, il y a un autre élément, en fait, je leur demande trois choses dans ce travail-là. Donc, il y a un travail réflexif sur les autres capsules constructives et ils doivent aussi expliquer le rationnel de leur propre capsule. Donc, elles doivent dire, bon, mais moi, dans la capsule, j'ai décidé d'utiliser tel type de nombre ou tel concept ou tel exemple pour telle raison. Donc, ça leur permet d'expliquer. Évidemment, moi, c'est dans un contexte d'enseignement pour des élèves du primaire, par exemple. Ça peut être ajusté, mais je pense que c'est riche, cette idée-là, de léguer, en fait, cette responsabilité-là aux étudiants de chercher l'information de leur côté. Ça les force, en fait, à se l'approprier parce qu'ils doivent l'expliquer à leur père par la suite. Donc, je trouve que c'est assez payant, en fait, comme façon d'apprendre. Puis, ça devient une belle modalité d'évaluation, je trouve, de mon côté. Merci beaucoup, Mathieu. Je vois le temps qui avance, alors je vais laisser la parole à Brigitte et ensuite, on pourra passer une période de questions commune pour tous les conférenciers. Parfait. Alors, moi, je vais commencer par une question d'entrée de jeu, un peu plus pour mon alignement à moi. Dans le fond, la question 6 étant, quel est votre mode d'enseignement actuel? Donc, est-ce que vous êtes en mode synchrone ou plutôt en mode asynchrone? Il n'y a toujours pas de bonne réponse associée à ça. C'est vraiment pour voir de votre côté qu'est-ce que vous faites. Parce que moi, aujourd'hui, là, ma partie à moi concerne le mode asynchrone que je fais depuis 2011. Alors, il y a quand même des éléments qui vont toucher là, pour tous les modes d'enseignement, mais bon, plus particulièrement pour le mode asynchrone. Alors, on y va pour, OK, à 85%, on est en mode synchrone, 15% en mode asynchrone. Alors, on voit qu'il y a une grande majorité au mode synchrone. Alors, première des choses de ce que je conseille, quand on a pris le virage à cause de la COVID, les ressources enseignantes venaient me consulter et ils veulent tout faire en même temps. Alors, ce qu'on leur dit, c'est vraiment de garder ça simple. Quand on commence, on essaie de s'approprier un peu un élément, deux éléments et de les approfondir et de ne pas essayer de tout vouloir faire en même temps, de tout vouloir découvrir, de tout vouloir essayer. On dit une étape à la fois, donc gardez ça simple, c'est vraiment ce qui est primordial. Au début de votre cours, dans le fond, vous êtes stressé, on change, c'est de la nouveauté, on est déstabilisé, mais il faut penser aussi que vos étudiants le sont également. On pense que les étudiants sont habiles avec à peu près tout. Les technologies, par contre, ce n'est pas le cas. On s'en aperçoit là, vraiment à le voir, à ce qu'on vit présentement. Alors, ce qu'on dit, c'est vraiment, c'est nécessaire, sécuriser vos étudiants. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. On va en voir un petit peu plus ultérieurement. Mais bon, que ce soit le courriel, des messages, des petites capsules vidéo, des rencontres individuelles ou de groupe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment créer la présence malgré la distance. Donc, essayez de mettre vraiment là, l'accent là-dessus pour pouvoir les sécuriser d'office. Et par la suite, ben, les choses vont aller de soi. La clé pour que tout se passe bien, on dit la communication. Donc, c'est fondamental et il y a plusieurs moyens pour y arriver. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de privilégier un seul canal de communication. Donc, pour que les étudiants aient la stabilité, la régularité, qu'ils puissent connaître votre mode de fonctionnement, donc que ce soit par le billet de forum, l'annonce, le courriel, etc. Donc, utilisez un canal de communication, puis gardez-le tout au long de la session, tout au long de votre cours. Aussi, au départ, bien, enregistrez, faites une capsule vidéo pour présenter votre plan de cours, donner l'état de la session, comment ça va se passer, les détails, vos attentes, vos disponibilités. Donc, faites-le de vive voix au lieu de tout simplement déposer le document. Oui, déposez-le, mais faites-en l'explication de vive voix, donc pour donner les précisions, les détails et tout ça. Faites des rencontres individuelles aussi peut-être au départ, si c'est possible, bien entendu, parce que je sais qu'il y a des groupes vraiment nombreux. Alors, allez-y vraiment, si vous pouvez le faire, bien entendu, pour pouvoir connaître davantage vos étudiants ou encore faites des petites rencontres d'équipe, donner des rendez-vous à quelques étudiants. Bon, nous, on utilise la plateforme Moodle. On a une activité qui s'appelle Rendez-vous et les étudiants peuvent aller réserver leur plage horaire pour pouvoir nous rencontrer et tout. Alors, c'est bien utile et ça permet
justement là, de facilement faire la gestion de tout ça pour au départ apprendre à les connaître malgré la distance, malgré tout ça. Donc, il y a des éléments qu'on peut prendre, qu'on peut faire, puis qui va contrer tout ça. Faites des messages écrits ou des capsules vidéo régulièrement. Moi, dans mes cours, je donne faut être visible, faut être disponible. Alors, je fais des petits messages à chaque semaine. Je les varie. Parfois, c'est ça, c'est un message courriel. Parfois, c'est un enregistrement qui dure 3-4 minutes, tout simplement, pour leur dire je suis là, j'espère que vous allez bien, comment ça se passe, votre premier travail. Je leur parle, dans le fond, directement, autant à l'écrit que par vidéo. Et puis, je dépose ça au moins une fois par semaine. Et ce que je vois, c'est dans les retours, dans les rétroactions, c'est très apprécié. Ils me disent qu'ils sentent ma présence, là, malgré la distance. Consultez aussi régulièrement vos boîtes de courriel, vos forums. Au départ, donner l'intention claire de votre fonctionnement, comment ça va fonctionner pour votre délai de réponse. Parce que, bon, si vous, au début, vous commencez à répondre à instantanément quand il y a un courriel, quand il y a une question, quand il y a et puis finalement, au fil du temps, vous arrivez et puis vous répondez 24 heures plus tard, 48 heures plus tard. Donc, parfois, ça l'inquiète, ça déstabilise les étudiants qui sont habitués, bon, parce qu'au début, vous avez commencé le processus en répondant rapidement. La même chose pour au niveau du temps de dépôt de travaux. Si, par exemple, vous donnez la date qui est le dimanche soir pour remettre le travail numéro 1, mais que finalement, vous avez avisé dans le plan de cours que vous allez répondre du lundi au vendredi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, là, dans le fond, si vous n'êtes pas présent le samedi et le dimanche pour pouvoir répondre aux questions, puisque vous exigez le travail le dimanche soir. Alors, c'est des petites choses simples, mais c'est ça. Communiquez avec vos étudiants, soyez visibles, soyez disponibles. Maintenant, le mode de le fonctionnement du site asynchrone, les points importants. Donc, divisez votre session par cours, par module, par semaine, donc pour que vos étudiants puissent se retrouver facilement, pour que ce soit moins lourd aussi pour eux. Donc, faites vraiment des sections. Puis pour chaque section, on vous conseille de faire des forums questions pour la section, pour le cours en particulier, au lieu de faire un forum général pour avoir toutes les questions toutes mêlées. Alors là, ça devient lourd. Les étudiants savent, il y en a trop à regarder. Finalement, ils laissent tomber, ils vont reposer la même question. Donc, faites vraiment des forums questions là, pour chacune de vos sections, que ce soit clair, vous allez les signifier dans vos attentes de début de session. Alors ça, c'est un truc qui est vraiment gagnant. Uniformiser aussi votre façon de fonctionner. Par exemple, si dans vos sections, dans vos cours, dans vos semaines, vous commencez par exemple, les documents pour la lecture. Ensuite, bon, vous mettez le forum pour les questions, les vidéos. Donc, essayez d'y aller avec l'uniformité d'un cours à l'autre, d'une semaine à l'autre, pour qu'eux se sentent justement stables et comprennent vraiment la façon de fonctionner. Ouvrez les contenus un à la fois aussi. Ouvrez pas tout en même temps, c'est vraiment paniquant. Je l'ai fait dans mes débuts et puis je peux voir là, vraiment là, pour nos anxieux et tout ça que lorsqu'on ouvre tout, c'est vraiment là, les questions arrivent et on sent la pression, bon, parce qu'il y en a toujours qui avancent plus rapidement, vont poser des questions, alors ça les déstabilise. Donc, ouvrez-les pas trop à l'avance, attendez là, quelques temps, ouvrez une autre section et tout ça, mais ne pas disponibiliser le tout là, dès le début. Faites plusieurs petites capsules vidéo. Tout à l'heure, mes collègues en ont parlé. Court temps au lieu d'y aller pour des heures et des heures là, de vidéos. Donc, faites de petites capsules courtes, claires, précises, et puis c'est beaucoup plus efficace pour eux que d'y aller. Puis même pour nous, quand on assiste à des formations ou des cours et que c'est long, on vient qu'on perd le fil et tout ça. Donc, c'est toujours préférable d'y aller avec des petits contenus. Même chose pour les lectures, résumés, des textes courts, au lieu d'avoir des choses qui sont longues, plus décourageantes ou allez-y, synthétiser, c'est toujours apprécié. Et finalement, le dernier, permettez un forum de type
défouloir, parce que quand on est en présence, on arrive dans la classe, on va jaser avec le professeur, entre nous et tout ça. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui a été gagnant. J'ouvre un forum, je leur dis au début de la session, il est à vous, je corrige rien. J'en ai parfois qui viennent parler de la nuit qu'ils ont passée avec bébé malade, que là, ils sont en retard pour leur travail puis qu'ils ont une présentation le lendemain. Puis là, ils échangent sur tout, donc c'est vraiment à eux. Et je vais, moi aussi, parfois, me défouler dans ce forum-là et, parce que ça ne peut pas toujours bien aller. Et les étudiants apprécient vraiment de voir que nous aussi, on a nos problématiques et tout ça. Alors, c'est juste un forum pour ventiler, évacuer. Et puis, c'est une stratégie vraiment gagnante parce que d'ordinaire, que ce soit aux pauses, à l'arrivée, à la fin du cours, on jase entre nous et tout ça. Et là, ils n'ont pas cette chance-là. Alors, c'est vraiment apprécié. Maintenant, un autre élément essentiel d'intégrer le multimédia, parce que, encore une fois, mes collègues l'ont dit, la courbe d'attention diminue rapidement. Alors, essayez d'adopter des stratégies pédagogiques variées qui impliquent les étudiants dans leurs apprentissages, des contenus diversifiés. On en a, M. Thibault en a donné des exemples tout à l'heure, donc des vidéos enregistrées avec des questions, avec il y a une multitude de choses. Vous n'êtes pas obligé de toutes les essayer, toutes les tenter dans la même session. Vous pouvez y aller graduellement et vous allez prendre l'expérience, vous allez faire l'utilisation, la découverte de nouvelles choses, vous allez pouvoir par la suite bonifier. Mais c'est sûr, c'est important de créer l'interactivité. Et oui, avec le multimédia, on peut facilement y arriver. Alors, c'est vraiment à privilégier. Médiatiser vos contenus, c'est ça, les rendre dans un format numérique, vivant, attractif, autant que possible. Donc, que ce soit des exercices, des questionnaires interactifs, des vidéos pédagogiques animées, bien là, on vient tout juste d'en parler, des PowerPoints narrés au lieu de juste les laisser avec le PowerPoint puis les laisser lire, la balado-diffusion, des sites Internet. Il y a tellement de choses intéressantes. Donc, vraiment essayer d'intégrer ces choses-là. Soyez créatifs. Ne pas avoir peur non plus, mais comme on le disait d'entrée de jeu, faut pas non plus en mettre trop. Allez-y sûrement et puis efficacement et en étant créatif, ça va être vraiment gagnant. Donc, ça m'amène à la question 7. Quelle place accordez-vous justement au multimédia dans vos cours actuellement? Est-ce que c'est beaucoup, assez, peu ou pas du tout? Donc, qu'est-ce que vous faites actuellement dans votre enseignement? Est-ce que le multimédia a une grande place? On va voir ça sous peu. Les réponses ne devraient pas tarder. Alors, beaucoup, oh, c'est excellent, 18%, assez 41, peu 39 et pas du tout 2%. Alors, oui, ça demande l'investissement en temps pour pouvoir justement apprendre et maîtriser ces outils-là. Mais prenez le temps d'en apprendre quelques-uns sans en avoir trop. Mais c'est vraiment des stratégies qui sont gagnantes et qui font en sorte que les étudiants vont être beaucoup plus motivés, beaucoup plus intéressés dans leurs apprentissages. Alors, finalement, on le dit un pas à la fois, oser, Paris ne s'est pas fait en un jour, c'est clair. Donc, on vous invite à vous joindre à des réseaux d'échange, de partage d'enseignants, de ressources enseignantes qui vivent la même chose que vous, qui ont des choses à partager, que vous aussi, vous allez pouvoir partager du vécu, du matériel et tout ça. Donc, c'est toujours encourageant et plaisant de voir, on voyait tout à l'heure Mathieu qui présentait là, un peu ce qu'il utilisait comme outil. Alors, on a vu que ça intéressait des gens. C'est à ça que ça servent les réseaux d'échange et de partage. Essayez, n'ayez pas peur. C'est vraiment, il faut oser. Parfois, bon, oui, on pense que ça peut être où j'y arriverai pas, où c'est trop lourd, où il y a trop de choses, mais bon, c'est de définir ce que vous voulez, vos besoins, ou les objectifs que vous voulez arriver avec vos étudiants. Et puis, par la suite, ben, c'est de trouver les moyens pour y arriver. Donc,
bonifier, peaufiner au fur et à mesure, vous allez le faire. De session en session, vous allez devenir meilleur parce qu'on sait, bon, à l'hiver, on va probablement être encore dans le même état qu'on est là. Alors, vous allez avoir chance de pouvoir bonifier votre matériel, vos cours, vos classes virtuelles. Questionnez vos étudiants aussi régulièrement, si vous le pouvez, par des petites questions, sondages anonymes, justement, comment ça va, qu'est-ce que vous trouvez. Ça va vous permettre par la suite de pouvoir rectifier le tir, puis de changer, d'améliorer ou de répondre à leurs besoins. Alors, des fois, c'est juste des petites questions pop-up comme ça qu'on lance dans notre classe. Moi, c'est ce que je fais, je vous dirais peut-être... aux 3-4 semaines, je vais juste poser une simple question et puis moi, ça me permet de me réajuster par la suite. Puis je vous dis, c'est vraiment apprécié et les étudiants répondent à ces questions-là. Ils ont l'impression justement qu'on leur donne l'attention et qu'on veut les satisfaire, on veut répondre à leurs besoins. Donc, finalement, référez-vous à votre conseiller pédagogique et technopédagogique. Je pense que on est là pour vous, on est embauché pour ça. Je le fais souvent à la blague, je dis, je suis payé pour ça, mais on aime ça. Et quand on est à ces fonctions-là, bien, c'est parce qu'on veut vous aider, on veut vous guider, on veut vous accompagner dans l'utilisation de tout ça. Alors, n'hésitez pas à consulter les gens de votre établissement, de votre commission scolaire, de votre cégep, de votre université. Alors, ces gens-là sont là pour vous. Donc, comme je le répète, Paris ne s'est pas fait en un jour. Donnez-vous le temps et puis vous allez y arriver. Voilà, donc maintenant la période de questions. Merci beaucoup, Brigitte. Fort intéressant comme présentation. Je me permets une question par rapport au forum des fouloirs, qui semble bien intéressant pour plusieurs, mais est-ce que vous observez quand même des fois des dérapages? Et en lien avec ça, est-ce que vous mettez en place une forme d'étiquette là, pour quand même permettre aux gens de se défouler, mais de se conduire dans un cours? Oui, exactement. En début de session, toujours, ça fait partie de mon plan de cours. Justement, quand je fais la présentation de ça, j'explique ce que j'attends. Et oui, que le forum des fouloirs est pour eux, mais que je ne tolérerai pas et que je vais supprimer les messages. Mais honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé là, depuis 2011 de choses qui ont été vraiment là, déplacées ou j'ai jamais eu à supprimer un message. On est allé jusqu'à un message là, presque là, de détresse et puis ça va loin, mais j'ai jamais connu de dérapage là, majeur. J'ai jamais eu même à intervenir pour dire c'est pas la place de ça. Alors pour ma part, l'expérience est vraiment, vraiment gagnante. Parfait, merci. C'est encourageant. Une dernière question avant qu'on passe à la période de questions communes pour les 4 conférenciers. Pouvez-vous nommer quelques réseaux d'échange et de partage entre professeurs? Là, encore une fois, il faudrait vérifier au niveau de vos établissements, de vos... par exemple, nous, je sais qu'au Bas-Saint-Laurent, le regroupement FADIO, formation à distance interordre, qui est vraiment enrichissant. Il y a tellement d'idées, d'échanges et il y a justement des communautés d'apprentissage pour les enseignants, pour les conseillers pédagogiques. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais justement, en vous référant peut-être à votre conseillère pédagogique, vous allez pouvoir obtenir des références comme ça pour des réseaux d'échange et de partage comme ça. Là, c'est clair que vos conseillères pédagogiques peuvent vraiment vous outiller à ce niveau-là. Merci beaucoup, Brigitte. Alors, merci à Patrick, Gustavo, Mathieu et Brigitte pour vos présentations respectives, réponses aux questions aussi vous concernant. Alors, on va prendre environ 20 minutes qui nous restent pour ce webinaire pour vous adresser des questions communes. Je vous invite donc à vous relancer au besoin, à bonifier ce que vos collègues diront. Là. Donc, c'est ça le plus important. Je vais en profiter pour commencer en vous reposant cette question sur comment peut-on attirer l'attention de l'étudiant en formation à distance, sachant que l'attention des étudiants diminue après un certain nombre de minutes. Donc, je comprends aussi que vous avez déjà nommé plusieurs stratégies, là, mais voilà, je laisse la parole à Patrick. Oui, bien, c'est peut-être un commentaire
faire synthèse, là, mais l'idée, tu sais, quand on fait un cours à distance, c'est qu'on a un contenu, je veux dire un cours normal, c'est qu'on a un contenu à donner à nos étudiants. Donc, souvent, l'enseignant va parler, mais l'important, ce n'est pas de parler pendant 30 minutes de temps. Donc, c'est d'entrecouper ce qu'on dit avec des activités. Donc, par exemple, après 15 minutes de temps où j'ai énoncé où j'ai présenté un contenu, là, puis ça ne veut pas dire que je le présente d'une manière plate, là, tu sais, ça peut être avec des diapos, ça peut être avec de l'animation, etc. Mais l'étudiant, lui, il est dans une position, de réception. Mais on peut difficilement être dans une réception comme ça pendant longtemps s'il faut réfléchir en même temps. Donc, l'idée, là, à partir de ce moment-là, c'est de donner une activité mobilisatrice qui va faire en sorte que l'étudiant va pouvoir s'interroger ou intégrer ce qu'on vient de dire. Donc, ça peut être des quiz, ça c'est la méthode un peu plus facile, mais ça fonctionne quand même. Mais si vous mettez juste des quiz, ben, tu sais, l'effet ne marchera plus, là. Donc, il faut avoir aussi des activités pédagogiques qui vont faire en sorte que ben, là, les étudiants vont travailler. Par exemple, bon, c'est un exemple, Zoom le permet, puis j'en ai parlé tantôt, on peut créer, tout dépendant de votre matière, là, des sous-groupes de discussion. Donc, par exemple, vous lancez quelques questions, les gens sont en sous-groupe, puis ce qui est le fun pour la formation des équipes, c'est que dans Zoom, ça peut se faire automatiquement. Tu sais, si vous avez, 30 étudiants, vous appuyez sur le bouton, pouf, ils sont divisés automatiquement également dans trois salles. Donc, les étudiants doivent discuter là-dessus, puis ben, après ça, ben, il y a un format, par exemple, vous dites, faites une carte, puis après ça, chaque équipe va avoir 5 minutes pour présenter ce qu'il a trouvé. Donc, vous voyez, vous mobilisez les connaissances que vous avez mises, les étudiants travaillent là-dessus, puis en fin de compte, ben, ils vont travailler sur les concepts et les apprendre. Donc, c'est un peu cette idée-là, c'est pas tellement différent de ce qui est en classe, c'est juste qu'à distance, ben, il faut être bien préparé, là, on peut pas dire, hey, on va faire une activité, je pense à ça, il faut y avoir réfléchir avant parce que souvent, c'est médié par de la technologie. Puis si on ne l'a pas, ben, ça ne fonctionnera pas, là. Puis ce n'est pas obligé d'être de la high-tech là, avec des lumières, puis des icônes, puis tout ça. Là, tu sais, on n'est pas là nécessairement. C'est vraiment des activités pertinentes pour les étudiants. L'idée, c'est de vraiment les sortir de la... Il ne faut pas que l'étudiant tombe en torpeur. Il faut qu'il soit actif dans son apprentissage. Puis, ben, les activités, l'idée, ce n'est pas toujours d'avoir la même, c'est de la varier, puis qu'elle soit très cohérente avec votre contenu que vous mettez de l'avant, puis votre pédagogie, finalement. On revient au modèle TEPAC, là, d'une certaine manière. Donc, je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à rajouter là-dessus, là, mais il n'y a pas de recette magique, mais il y a une recette très générale qui est de rendre les étudiants actifs, et puis ça, ben, il y a plein de moyens qui sont disponibles, là. Merci Patrick. Est-ce que Brigitte, Mathieu, Gustavo, vous voulez bonifier ou ça va? Parfait. Je vous adresse une autre question. En plus d'être énergivore sur le plan attentionnel, est-il vrai que suivre un cours en FAD est susceptible d'être plus chronophage pour un ou une étudiante qu'un cours en présence? Certains parlent de 30 à 50 % plus de temps. Est-ce empiriquement appuyé par la recherche? Ben, je peux peut-être me risquer, là, pour avoir donné des cours en présence pendant longtemps à l'Université Laval et maintenant à la TELUC, donner des cours uniquement à distance. Ça dépend, la réponse plate, ça dépend de l'étudiant et de la maturité de l'étudiant. À la TELUC, c'est des étudiants qui ont choisi d'étudier à distance. Okay? Puis malgré ça, ce n'est pas facile, mais ça demande beaucoup d'autonomie. Mais par contre, je peux vous dire que j'ai beaucoup d'étudiants qui demandent des extensions parce qu'ils n'ont pas réussi dans les temps. Puis j'ai aussi beaucoup d'étudiants un cours universitaire, c'est 15 semaines d'habitude, qui vont terminer en 10 semaines, voire 9 semaines, parce qu'ils vont faire beaucoup plus que ce qui est demandé plus rapidement. Donc, on ne peut pas dire que c'est j'ai de la misère avec ce terme-là, que ça prend plus de temps, nécessairement, ça dépend vraiment de l'étudiant. Mais par contre, ça demande beaucoup plus d'autonomie. Donc, si l'étudiant est moins autonome, ça risque de lui prendre beaucoup de temps. Puis s'il n'est pas très déterminé, ben, comme je disais tantôt, on est en compétition avec Facebook et Netflix. Donc, c'est sûr que ça peut prendre plus de temps. Mais dans ce sens-là, ce n'est pas le cours qui prend plus de temps. C'est toutes les distractions qui sont alentour. Là. Parce qu'un cours bien fait, ce n'est pas supposé prendre plus de temps. Là. Oui, Mathieu? Je suis entièrement d'accord avec ce que mon collègue vient de dire. J'ajouterais, moi, que
quand on commence en formation à distance, comme c'est mon cas là, cette session-ci, je me suis donné le droit, en fait, dès les premières semaines, de dire, ben, moi, j'estime que je pense que ça devrait vous prendre telle durée. Donc, pour chaque tâche que je donnais, je disais, ben, ça devrait, je crois que ça va vous durer 30 minutes, puis ça devrait vous durer une heure. Et j'ai fait un retour, là, je ne le fais plus là, après plusieurs semaines, mais les 3-4 premières semaines, je leur demandais cette rétroaction-là quand j'étais en séance de classe virtuelle. Pour dire, est-ce que, là, ce que vous deviez faire là, en asynchrone, là, que j'avais estimé à 3 heures de travail, 4 heures de travail, est-ce que ça vous a vraiment pris 3, 4 heures? Puis là, effectivement, ça dépend un peu des étudiants, mais je me suis assuré en fait que globalement, ça correspondait. Il y en a qui vont, ça va leur prendre une heure de moins que tout le monde, il y en a qui ça va leur prendre une heure de plus que tout le monde, mais ça permet d'avoir une rétroaction, puis de s'ajuster par la suite, parce que ça se peut très bien que je pense que ça leur prend 3 heures, et en fait, ça leur en prend 5, puis là, sans le savoir, je vais aller surcharger toute la session. Donc, je pense que c'est bien dès le début d'aller leur demander leur opinion là-dessus. Merci beaucoup pour vos réponses complémentaires. Je vous adresse une troisième question. Si notre établissement, notre institution privilégie une plateforme pour l'enseignement à distance, notamment Moodle, par exemple, mais qu'à nos yeux, d'autres plateformes, en l'occurrence Teams, apparaissent plus accessibles, plus faciles d'utilisation, comment on peut concilier l'utilisation de plusieurs plateformes pour la formation à distance? Ou est-ce bénéfique en amont? Je vais répondre, je vais tenter une réponse parce que j'ai déjà été dans une institution qui privilégiait un environnement numérique d'apprentissage, puis j'en avais testé un autre. Mais il faut dire que j'étais dans le contexte de technologie éducative, donc c'était peut-être plus accepté par l'institution qu'on essaie autre chose. Mais quand on fait ça, il faut faire attention parce qu'il y a quand même une certaine, pour l'étudiant, il y a quand même un certain réconfort d'être dans un système qui est le même pour tous ses cours. Donc, si vous, par exemple, le système de calendrier peut être en lien avec les cours, donc si ça va dans son profil, bien, il peut voir quand est-ce qu'il y a ses examens, etc. Donc, si vous utilisez une plateforme à part, bien, peut-être qu'il n'y aura plus accès à ça. Donc, il faut faire attention, il faut regarder vraiment les raisons qui font en sorte qu'on peut aller à l'externe. Mais comme par exemple Teams, il y a possibilité de traficoter un petit peu dans le sens où vous utilisez Moodle, puis dans vos cours à chaque semaine, bien, vous mettez un lien vers Teams en expliquant. Donc, on n'est pas tout à fait à part, mais on est à part quand même. Donc, vous pouvez expérimenter de cette manière-là. Mais il faut bien accompagner les enseignants. Puis la question est intéressante parce que Moodle et Teams, c'est complètement deux choses différentes. Hein? Moodle, c'est un environnement numérique d'apprentissage. Teams, à la base, c'est un outil comme Zoom, là, si on veut, communication. Et c'est en train de changer dans le temps et la pandémie a accéléré ça d'une grande manière. Comme par exemple Teams. Maintenant, c'est possible de faire des cours à l'intérieur facilement, etc., de rajouter des genres de plugins ont explosé pour ajouter des fonctions. Donc, on regarde l'avenir proche là, et moyennement proche. Toutes les plateformes vont finir par faire à peu près la même chose, mais en partant pas du même point. Là. Donc, on va avoir, disons, un choix qui va exploser dans les prochains mois, certainement. Mais c'est ça. Tout ça pour dire qu'il faut toujours faire attention vraiment à votre public cible. Y faire attention si vous décidez d'aller ailleurs. S'il est d'accord, ben c'est bien d'expérimenter parce que vous pouvez avoir des bonnes raisons aussi d'aller à l'externe. Comme Teams, il y a tellement d'outils maintenant qui sont là. C'est plus facile à installer. Tu sais, installer un outil dans Teams, je ne sais pas le niveau de sécurité, là, mais l'utilisateur, professeur peut installer des outils. Tandis que si vous utilisez Moodle, ben, ça prend un technicien pour installer les outils, les ajouts, puis tout ça, les tester, les mettre à jour. Tandis que Teams, ben, c'est une plateforme commerciale, donc c'est Microsoft qui gère la sécurité, tout ça, donc c'est différent. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, mais je vous dirais là-dedans, il faut toujours regarder dans un prime abord, à faire attention aux étudiants. Puis, ben, s'ils sont d'accord, pourquoi pas le tester, là. Si vous avez des bonnes raisons, ils devraient embarquer. Là.
J'ajouterais peut-être, c'est ça, là, au niveau de tout ce qui est information de l'étudiant et tout, quand c'est de l'établissement, ben tout est normalement sécurisé et tout. Et quand on opte ou on veut aller pour autre chose, moi, je vous dirais toujours de vous renseigner et de ce que ça va exiger aussi pour l'étudiant. Est-ce que l'étudiant va devoir se créer un compte pour cette plateforme-là? Est-ce qu'il y a des risques X, Y, Z là, pour la sécurité, l'information et tout ça? Donc, c'est vraiment important, là, discutez-en là, probablement avec conseiller-conseillère pédagogique de votre établissement là, pour voir les risques là, qui pourraient y avoir si vous décidez d'opter pour autre chose là, avec l'accord de vos étudiants. Si je me permets aussi d'ajouter un élément. Tantôt, je présentais aussi la dimension organisationnelle au moment de choisir des outils. Moi, par philosophie, par exemple, j'essaie toujours de privilégier le open source, hein, le logiciel libre, tout ça. Mais il faut aussi, comme Brigitte vient de dire, de s'en renseigner auprès de la direction de notre établissement, parce qu'il y a des fois, les décideurs à l'intérieur de l'établissement vont, disons, on est un peu craintif par rapport à certains outils. C'est l'open source, par exemple, n'a pas toujours la même accueil partout. Fait qu'il faut vraiment faire attention au moment de choisir l'outil. Des fois, et c'est bien d'expérimenter de nouveaux outils, mais au moment vraiment d'aller avec nos étudiants avec le nouvel outil, il faut vraiment se renseigner auprès de notre établissement. Est-ce qu'à un niveau politique, disons ça comme ça, est-ce que l'outil que j'ai choisi s'aligne avec la politique de l'établissement? Est-ce que je vais pouvoir intégrer cet outil aux outils qui existent déjà? Est-ce que cet outil va se parler, entre guillemets, avec les systèmes de gestion des études? Mettons, si j'ai fait, par exemple, une évaluation, puis est-ce que le résultat de cette évaluation pourrait être intégré directement? Normalement, dans une LMS, genre Moodle, Blackboard, etc., ça s'est fait de façon transparente. Mais si je vais choisir un outil externe, mettons maintenant Teams ou autre, ça va entraîner un travail à la mienne de migrer les résultats vers la plateforme institutionnelle. Donc, il faut vraiment regarder l'ensemble des éléments au moment de s'aventurer à choisir un outil comme ça. Merci pour votre réponse complémentaire. Est-ce qu'une personne, l'un d'entre vous, voulait ajouter ou ça va? Parfait. Une autre question, il y a plusieurs questions. D'ailleurs, je m'adresse aux participants. Vous comprendrez qu'à 14h moins 5, je ne pourrai pas poser toutes vos questions. J'en suis désolée, mais je vous remercie de votre intérêt. Je vais vous demander maintenant, conférencier, si c'est possible d'expliciter, pour ceux qui le peuvent, la méthode TPAC. Dont je pense Patrick parlait. Oui, ben, pour faire une histoire courte, là, avec le temps qui nous est imparti, c'est un modèle finalement qui permet d'intégrer la technologie d'une manière cohérente dans son enseignement. Comme je le disais, c'est pas l'ajout de la technologie fait en sorte que le cours en ligne ou que le cours va fonctionner. Il faut vraiment que la technologie soit là d'une manière cohérente et pertinente. Donc, comment on fait ça? Bien, le modèle TPAC, ça permet un peu de se questionner, de s'auto-questionner sur la présence de technologies dans notre enseignement. C'est un peu un outil réflexif, du moins, moi, je le vois comme ça. On a un contenu à présenter. La plupart du temps, tout dépendant, ça peut être une commande. Si vous avez de la latitude, ça peut être vous qui l'avez choisi, mais on a un objectif clair, pédagogique à atteindre dans un cours. Donc, on prend un objectif. Après ça, la manière, la pédagogie qu'on va prendre pour faire en sorte que cet objectif-là va être appris de la part de nos étudiants. Et dans une relation à distance, bien, quelle technologie va m'aider à atteindre ces objectifs-là? Donc, si j'utilise une technologie, il faut qu'elle soit en lien avec mon contenu et avec la pédagogie. Hein, comme par exemple,
j'ai un contenu, là, c'est un exemple que j'avais déjà donné. Je veux faire questionner les infirmières, on forme des infirmières, je veux les faire questionner sur le pouvoir infirmier à l'intérieur de l'institution médicale. Okay? Et je dis, je vais avoir une approche socio-constructiviste parce que je veux les faire participer, je veux qu'ils se questionnent entre eux, je veux qu'il y ait un consensus qui émerge. Puis, mon moyen, c'est que je vais faire un quiz sur les concepts. Donc, oui, mais le quiz, est pas, il n'y a pas de concordance avec la pédagogie que vous avez choisie. C'est une pédagogie beaucoup plus ouverte. Donc, le quiz, ça ne serait pas approprié, du moins avec l'objectif que vous avez là. Ça serait peut-être plus approprié un forum de discussion ou un débat ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, le TPAC, ça permet vraiment de questionner la place de la technologie et pour qu'elle soit finalement pertinente avec le contenu et la pédagogie. Si ça vous intéresse, il y a un numéro du tableau qui est une feuille ou deux là, qui est publiée justement sur des sujets comme ça avec des exemples. Donc, il y en a eu un justement sur le TPAC. Là, en deux pages, là, vous, avec des exemples, vous pouvez bien comprendre un peu ce que c'est comme modèle. Merci beaucoup, Patrick. On va le mettre dans le clavardage. Marie-Michel vient de le faire à l'instant. Je vois que... Aussi. Bon, mais parfait, deux fois plutôt qu'une. Et avant de faire le mot de la fin, je vous adresse quelque chose, une demande récurrente que j'ai vue dans le clavardage, l'outil QR, et peut-être qu'on pourra, pour les conférenciers, ajouter à la fin de votre diaporama, c'est quelques références concernant le temps d'attention des étudiants. Donc, si vous avez des références qui permettraient d'appuyer ce genre d'informations-là, on pourra en parler plus tard, mais je le souligne en grand groupe pour que les gens qui ont posé les questions à plusieurs reprises puissent être assurés qu'on va tenter de leur acheminer quelques références à ce sujet. Donc, ouais, ben, juste pour sécuriser les gens, notre PowerPoint va être disponible et il y a une référence justement là-dedans qui fait référence à d'autres références aussi. Là. Puis si vous cherchez sur Internet aussi, ça vient beaucoup des sciences cognitives, etc. Donc, vous allez trouver des sources, mais on en a dans le document. Parfait, merci beaucoup. Alors, à 13h58, je vais faire le mot de la fin pour rester dans le temps de notre webinaire qui se termine à 14h. Donc, au nom du CAPRES et de Pédagogie universitaire du réseau de l'Université du Québec, je tiens à vous remercier sincèrement M. Plante, M. Angulo Mendoza, M. Thibault et Mme Morin pour votre webinaire sur la diffusion en formation à distance. C'était vraiment un webinaire très, très pertinent qui a rencontré beaucoup de succès. Et j'en profite aussi pour remercier tous les participants qui ont assisté à l'événement, qui ont posé des questions. Donc, je vous remercie et comme je le disais, on est bien désolé de ne pas pouvoir adresser toutes vos questions aux conférenciers, mais on va tenter de peut-être pouvoir bonifier un peu certains éléments là, de référence justement pour le PowerPoint. Et vous recevrez sous peu pour les participants un questionnaire d'évaluation du webinaire. Donc, on vous remercie à l'avance de prendre quelques minutes pour le remplir. Ça nous permet de nous améliorer. Et enfin, je vous mentionne de nouveau que l'enregistrement du webinaire ainsi que le diaporama, le document du diaporama seront rendus disponibles sur le site de Pédagogie universitaire et en temps venu, vous recevrez un courriel pour vous en aviser. Alors, je vous remercie encore une fois, conférenciers, conférencières, participants, participantes à ce webinaire diffusé et au plaisir de vous compter parmi nous pour un autre événement. Merci.